secours sont immédiatement envoyés sur les lieux. En approchant de la maison des Simcoe, les policiers armés trouvent la porte d'entrée fermée à clé. Pour pouvoir entrer, ils passent donc par la fenêtre. Ils ont constaté que la porte de derrière était ouverte. Connectez-vous. Connectez-vous, pardon, bipez-moi là ici. Bipez-moi votre machin que vous appelez Mbopi au pays là. Bipez-moi là ici. Depuis là, je l'observe à distance. Taguez-la, qu'elle vienne ici là. Taguez-moi là, qu'elle vienne. Je ne vais pas durer. Je n'avais pas prévu faire de direct aujourd'hui. Mais je me balade sur Facebook. Et je vois qu'elle m'a publié sur sa page. Pardon, faites vite. Taguez-moi Mbopi, votre machin là. Taguez-la moi ici. Je vais lui dire 2-3 mots que je ne suis pas ton égal, Mbopi. Comme tu me vois là, je ne suis pas ton égal. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas envie de durer, je veux lui passer le message. Je veux juste te passer le message, toi la fille ici. Ou tu es une petite fille, ou tu es une grande fille. Mais comme... je vous ai déjà dit, vous du pays là, je clash avec les Mbenguistes. Si tu veux que je clash avec toi, prends le désert, prends la route. Tu as compris? Marimba, bonsoir ma soeur. Si tu veux que je clash avec toi, prends le désert. Depuis que tu gesticules sur les réseaux là, tu ne m'as même pas encore vu te calculer. Mais ma tronche que tu as prise là, que tu as mise sur ta page, elle va te coûter trop cher. Je suis né à Ayos. J'ai grandi à Douala. J'ai de la famille à Douala, que tu vois là. Quand je suis au Cameroun, je viens souvent à Douala. J'ai grandi à Akwa, où il y a tous les Nangaboko. J'ai les moyens de ma politique. Je t'envoie le message. Vous aimez entendre que moi, je vais te faire brûler vif. Hein. L'argent, j'ai. L'argent, les moyens de ma politique pour te buter, j'ai. Laisse-moi faire mes choses avec les gens de Mbeng comme moi. Laisse-moi faire mes choses avec les filles qui vivent en Europe comme moi. Toi qui es au pays, ne me tente pas. Parce que je suis prête à miser sur ta tête. Tu as compris? C'est comme ça que vous êtes. Hein? Moi, j'avertis toujours. J'ai toujours dit ici que les gens du pays ne vous mêlez pas de mes choses. Je ne suis pas votre égal. Je ne suis pas votre catégorie. Je fais mes choses avec les gens de Mbeng. Florine, Annette, tague-moi la lionne officielle là ici. Tague-la qu'elle vienne. Il faut dire aux gens qu'il y a folie au folio. On achète tout au Cameroun, même ta tête, je peux l'acheter. Attention, hein. Attention. Fais tes pépettes que tu fais comme tu tournes depuis, tu m'évites. Tu as bien vu que moi-même, je t'évite. Quand je veux parler de toi, je fais que celle qui est au pays, là. Parce que moi, je ne clash pas avec les filles du pays. Je ne peux même pas perdre mon énergie à clasher avec une fille du pays. Ma photo que tu as mise sur ta page là, je vais te buter. Je vais te dire que je suis né à quoi? Je suis né à Ayos, mais j'ai grandi à Douala. Et j'ai de la famille là-bas. Tous les Nangaboko que tu vois à l'hôtel, oui, à l'hôtel Akwa Palace là, la majorité là, je les connais. Méfie-toi. Ce que tu cherches derrière les fesses des femmes de l'Europe, tu vas trouver. Toi, ne me tente pas. Hein? Moi, je ne bluffe pas. Hein? Tu ne m'as jamais vu mettre ma caméra et menacer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Jamais. Je préfère souvent éviter. Donc, ne fais même pas. Je dis bien que ne fais même pas l'erreur. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ta catégorie. Je ne vais pas payer l'argent pour qu'on t'enferme. Mais je vais payer pour qu'on te bute ta race. Tu as compris? Je dis que je vais payer pour qu'on te bute ta race. Fais tes pépettes là avec tes soeurs du village. Fais tes bêtises que tu fais là avec tes soeurs du village. Je ne suis pas ton égal. Toi et moi ne joue pas dans la même cour. Toi et moi, on ne joue pas dans la même cour.
Ne cherche pas à venir perdre ta vie dans les réseaux sociaux parce que je vous dis toujours que méfiez-vous. Tant que ce sont les filles de Mbeng, qu'elles me caricaturent, qu'elles font tout, c'est Mbeng. Toi, tu es au village, tu es au pays là-bas. Je ne te connais ni d'Adam, ni de Ève. Tu prends ma photo, tu peux mettre sur ta page. J'ai déjà parlé de toi un jour. Je parle avec des filles comme toi. Toi et moi, nous sommes de la même catégorie. Nous sommes du même air social. Mais je dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te dis que j'ai les moyens de ma politique. Même s'il faut que je donne 500 000 à quelqu'un au Cameroun pour te faire la peau, je vais donner les 500 000 à quelqu'un. Tu as compris? J'ai les moyens de ma politique. Tu as compris? Donc, comme tu as bien pris ma photo que tu as mis sur ta page là, sache que tu déclares la guerre avec la mauvaise personne. Et j'arrive au pays bientôt. Moi, je ne bluffe pas. Hein? Je ne bluffe pas. Quand je parle, quand je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un, je l'ai dit. Même si tu es sur les réseaux sociaux, que tu fais les vidéos, je t'évite. Parce que je me suis toujours dit que nous ne sommes pas, nous ne mangeons, nous ne pouvons pas manger à la même table. Nous ne pouvons pas manger à la même table. Nous ne pouvons pas se croiser un jour. Mais fais gaffe. Fais tes trucs avec tes ayamseurs. Je ne suis pas Nicole Kétia. Je ne suis pas Nicole Kétia. Je m'appelle Bissot Élise. Je te dis que j'ai grandi. À quoi? Va encore bien te renseigner, hein? J'ai grandi à quoi, hein? Tous les Nangaboko que tu vois là, la plupart, je les connais. Il y en a même qui veulent prendre le Boza, il manque d'argent. Je suis prêt à payer le Boza à quelqu'un pour niquer ta race. Tu as compris? Taguez-la moi ici. Moi, je ne te dis même pas que enlève ma photo. Toi seul, tu vas enlever la photo là. Toi seul. Fais tes pètes-pètes avec tes gens, tes soeurs du village. Fais tes choses, ne glisse pas sur ma personne. Je ne t'ai jamais prononcé, je n'ai jamais fait de live sur ta personne. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Hein. Tu vas perdre ta vie sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Moi, je ne bluffe pas. Hein. Tu vas perdre ta live sur les réseaux sociaux aussi. Quand on va te buter, quand on va t'écraser avec la moto ou une voiture à Douala, il faudra pas dire que oh 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 oh. Tu as compris? Douala, c'est le fief de Mazembe. Méfie-toi, toi la petite fille ici. Méfie-toi où tu es petite ou tu es grande. Oh. Je crois que tu te crois déjà un peu trop là. Hein? Qui te rassure? Tu crois que qui va t'aider? Je vais te cueillir. Je te dis que j'ai les moyens de ma politique. Fais un live sur moi. Je vais te cueillir. Tu vas voir le temps. Est-ce que je te donne mes plans de guerre? Je vais faire que tu m'oublies même. Que tu oublies que j'existe. On va oublier le live aussi. Mais je vais te cueillir à Douala. Zani. C'est qui ça? Je dis, qui donne le pouvoir à cette morfale qui est au pays là? Qui lui donne le pouvoir? Fais ça avec les Nicole Kétia. Toutes les personnes que tu t'attaques là, fais ça avec eux. Mais ne, je te dis que non, mec, erreur. J'ai grandi à quoi? Dans l'un des quartiers les plus malfameux. Comme tu me vois là. Voilà quelqu'un qui cherche elle. On va te défigurer. Tu vas. Attends, c'est pas parce qu'on vient en Beng, hein? C'est pas parce qu'on vient en Beng que tu crois que nous-mêmes là, une partie de nos cerveaux n'est pas zinzin. Je t'ai dit que je clash les femmes qui vivent en Europe comme moi. J'ai toujours dit ici que même les filles du pays qui viennent s'étaler sur mes lives, qui viennent m'insulter, qui viennent commenter, ça m'énerve parce que je n'ai rien à leur dire. Je ne m'agresse pas à elles. Mes lives ne les concernent pas.
Mes lives concernent les femmes qui vivent en Europe comme moi. Les mbenguistes, comme vous dites. Mais tu as pris ma photo. Depuis là, j'étais à l'œil. Je dis que celle-ci ne me connaît pas. Je dis que tu ne me connais pas. Fais ça, Nicole Ketcha, tout le monde que tu insultes là. Mais ne t'approche pas de moi. Madame Bejam, j'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Tu as vu comment on avait fait à Paul Chouta, non? Tu as vu comment on avait fait à Paul Chouta? Oui, tant que si. Fais un live sur ma personne. Tu vas me dire si tu m'as déjà vu un jour. On va te poser la question que tu la connais. Prononce encore son nom. Ta bouche comme, qui est comme le cul du bonobo là. On va te... Attends. J'ai mon argent, non? Je vais le jeter par la fenêtre pour ta gueule. Je connais plein de petits frères là-bas, quoi. Qui ont envie de Boza. Il leur manque les dos. On va te faire ça dur. La personne prend la route. Allez, lui dire. Non, non. Elle exagère. Elle exagère. Elle me publie qu'elle me connaît où. Je joue dans sa cour. Est-ce que je joue dans sa cour? Faut pas laisser le genre de nègre humaine là nous manquer de respect. Hein? Qu'elle fait ce genre qu'elle veut. Je dis que si elle est femme, si elle met la garniture dans ses fesses, qu'elle fait un live sur ma personne. Mais bon, moi, m'ingite, j'en te bon, moi, à mes réseaux sociaux. Mais quand rien ne fout pas si elle entend. Est-ce que moi, je rigole? Elle ne me connaît pas. Ah, tu vois les gens mettre la caméra sur les réseaux sociaux. Tu les regardes comme ça, tu ne sais pas qui est qui. Même ta personne, l'angoisse de l'île que tu veux défendre là, je suis mille fois plus folle qu'elle. Tu as compris? Et quand moi je commence mon affaire, je finis. Tu as remarqué sur les réseaux sociaux que quand ma tête est sur quelqu'un, c'est là-bas. Jusqu'à ce que moi-même je jette. Je dis que je suis fatigué. Ne me cherche pas. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ta camarade. Je ne te connais pas. Ni d'Adam, ni de Ève. Je ne t'ai jamais clashé. D'ailleurs, je ne clash pas les villageoises du pays. Je ne peux pas te clasher. Tu n'es pas de ma même catégorie. Je clash les gens qui vivent en Ben. Comme moi. Toi, qu'est-ce que je vais dire de toi? On dit tout de toi ici sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais bien dire de toi qui peut m'intéresser? Rien. Alors, je t'interdis. La personne qui t'encourage ne sera pas là. C'est la deuxième personne qui t'avertit, non? Je suis la deuxième personne qui te fait les avertissements. Depuis qu'on est dans Meta, tu n'as jamais entendu ça. Elle sait sur quoi elle compte, non? Elle sait sur quoi elle compte. Je suis une vraie Nangaboko. Je suis une Nangaboko. Je suis une entêtée. Je te donne le bénéfice du doute si tu tiens à ta vie. Je vais te faire enfoncer le guidon d'une moto dans ton cul. On va te sodomiser avec la moto. Vous aimez, hein? Tu vis ta petite vie là-bas au pays, hein? Tu fais tes petits jobs, il y a deux, trois personnes de Mbenki qui t'aident comme ils peuvent. Tu crois que je peux te permettre de mettre ta bouche sur moi? Tu crois que je peux te permettre de mettre ta bouche sur moi? Tu m'as déjà vu parler de toi? J'ai déjà fait allusion à toi ici, parler de toi? Et même quand je vais faire genre de toi, je parle de toi avec à la cinquième personne. Parce que je ne te donne pas de l'intérêt, je ne te donne pas de l'importance. Je te dis qu'on va te sodomiser avec le guidon de la moto. Fais-moi confiance. Voilà mon numéro. Je mets mon numéro personnel. Donnez-moi son quartier. Donnez-moi son emplacement. Donnez-moi même son numéro. Où elle vit, le quartier où elle est. Même comme je connais déjà le quartier où elle est. On a donné ton quartier l'autre jour. Donnez-moi tout ce que vous savez d'elle.
ses horaires, à quelle heure elle commence, à quelle heure elle finit. Je vais un peu t'envoyer à la Quintini. Je vais t'envoyer à la Quintini. Bécile. Je suis mbenguiste, hein? Je suis mbenguiste. D'accord? Je clash avec les mbenguistes. Je clash pas avec les villageois du pays. Parce que je suis mbenguiste. Je suis mbenguiste. Aïe, Mkima. Où tu vas t'attendre, ce n'est pas où ça va arriver. Laissez. J'ai dit que je lui mets au défi qu'elle fait un direct sur moi. Qu'elle fait un direct sur moi. La lionne. Fait un direct sur moi. La personne qui t'encourage ne sera pas là. Elles toutes sont ici avec moi, Mbeng. Elles sont ici avec moi, Mbeng. Je suis la deuxième personne qui t'avertit. Tu devrais prendre ça au sérieux. Je suis la deuxième personne qui met sa caméra dans Meta, qui te donne les avertissements. Prends ça au sérieux. Tu ne sauras pas où ça va venir. Si tu n'aimes pas ta vie, c'est ton problème. On connaît le Cameroun, hein? Ouf! On connaît le Cameroun. Je te dis qu'on connaît le Cameroun. Je connais Douala. Je te dis que j'ai des petits frères là-bas qui veulent Boza. Qui veulent Boza? Ils veulent payer le Boza de quelqu'un. Elle est courageuse, hein? Elle est courageuse jusqu'à mettre celle-ci, se croit. Celle-ci, maman, je te connais. Je te connais. Je te connais. Si on ne m'enfonce pas le guidon de la moto dans ton élan, tu vas enlever mon nom. Et toi, faites-moi la capture d'écran là. Où elle m'a publié là. Faites-moi la capture d'écran. Je peux même faire venir les gars de Yaoundé. Moi-même, j'ai les petits frères fumeurs de cure. Oui. Ils sont prêts. Si je dis que levez-vous, ils vont se lever. Méfie-toi. Je dis bien que méfie-toi. Je ne te menace pas pour te menacer. Je ne menace pas avec la bouche. Je ne te menace pas avec la bouche. Pardon, faites-moi la capture d'écran de son poste sur ma personne. Faites la capture d'écran. Ouais, une petite fille qui vit au pays, elle a sa misérable vie. Elle a un enfant, hein? Tu as un fils. Tu as un fils. Je crois que tu oublies vite. Je crois que ta tête a Pamela au pays là-bas avec les petits trucs qu'on t'envoie là. Tu as au point où tu as oublié ton enfant. N'oublie pas que tu as un enfant. Ikobukulu bisé. D'accord? Ikobukulu bisé. Oh. Il boit les larmes. Je vais voir qui va quitter Mbeng. Pour venir te sauver. Je t'ai dit que depuis que je suis là, tu es là. Je ne fais même pas allusion à toi. Je te vois gesticuler à gauche, je te vois gesticuler à droite. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne m'as jamais vu mettre ma caméra pour m'agresser à toi. Tu ne m'as jamais vu te clasher.
Ne te trompe pas de route. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Hein? Si tu ne connais pas que la majorité des gens de Mbeng sont à moitié fous, je t'informe. Tu es là, tu fais ton petit commerce où tu travailles ou quoi, où tu as ton petit enfant ou ton petit garçon, tu es gardien de je ne sais pas de Ngoué de Lille et tu penses que tu peux te permettre. Ma mère Joséphine, il boit les langues et Ayem Kima, maman a couru. Les Yebokolo sont les fous de chez les Akonelinga. Va te renseigner. Hein? Va te renseigner de l'ethnie où je viens. Va encore bien te renseigner de ma tribu. La mienne, Yebokolo. Va encore bien te renseigner les qui nous sommes dans le monde des Ekangla. On n'attaque pas facilement. Les injures que je fais ici comme insulte, j'insulte aussi, c'est une chose. Mais toi, je t'interdis formellement de mettre la caméra et de parler de moi. Envoyez-moi tout inbox. Trouvez-moi l'adresse de la fille là. Trouvez-moi où elle travaille. Chacun gère son couloir. Maïté, je ne veux pas comme vous dites que Maïté a déjà. Maïté gère son couloir avec elle. Moi, je gère mon couloir perso. Personnellement. La fille exagère. Elle n'exagère pas encore. Elle a dirigé sa tête vers la mauvaise personne. Mais dis, signe-moi bon. Je lui ai dit que les petits qui veulent Boza. Il y a des petits frères qui veulent Boza. Je vais payer le Boza de deux gars. Mais deux Mbidiga da quoi là. Tu as vu comment les Nangaboko sont là, non? Les fumeurs de départ là. Les gars prennent le cœur. Quand je vais leur dire qu'envoyez-moi son oreille, ils vont dire que Big Ray c'est non, l'oreille n'est pas assez. Laisse qu'on casse ses pieds. J'ai mon argent, hein. J'ai mes dos. Je dis que j'ai mon argent. Je vais te faire du sale avec. Donc, je suis la deuxième personne. Elle travaille quoi? À la Joza Shop. Elle travaille à la Joza Shop, hein? Abonamoussa dit, hein? On la déshabille et on la filme. C'est rien ça. Elle travaille. Ne m'effacez pas les messages. Il faut laisser le message où elle travaille là. Elle travaille. Je vais relire les messages tout à l'heure, dès que je finis là. Je relis ça. J'envoie déjà ça à WhatsApp. Qu'on me la repère bien. Je vais te montrer. Bopi, je vais te montrer demain. J'ai tes photos. Je n'ai jamais, depuis que je suis sur Meta, je ne me suis jamais intéressé à la vie privée des gens. Je vais te dire comment moi je fais sur les réseaux sociaux. Je clash. J'utilise ce que j'ai trouvé. Je ne me suis jamais levé à entrer dans la vie privée de quelqu'un des réseaux sociaux. Jamais. J'utilise tout ce que je trouve sur les réseaux sociaux. Mais toi, je ne veux même pas que tu prononces mon nom dans ta bouche. Parce que je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ta catégorie. Je clash avec les Mbengis. Toi, tu es au village. Tu es au pays. Je ne peux pas clasher avec toi. Tu es une villageoise qui vit au pays. Si tu veux que je te clash un jour, il faut Boza. Arrive même en Italie ou en Espagne. Là, je pourrais te répondre parce que je vais considérer que tu es déjà une Mbengis. Mais tant que tu es au pays, je ne peux pas. Et Kikele, j'utilise le téléphone où il y a le numéro de mon petit là. Je vais l'appeler en direct, tu vas voir.
C'est parce que je... Attends. Je vais l'appeler mon petit là. J'espère qu'il est connecté. Tu vas entendre. J'espère qu'il est connecté. J'espère qu'il est connecté. Ce qui est sûr, c'est que qu'il soit connecté ou que je te montre d'abord. Ouais, je ne suis pas. Hein? Je ne suis pas. Comme la langue de Ngoy te monte à la tête là. Je vais te dire qu'il y a esprit et esprit. Tu as compris? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il est connecté? Donnez-moi son adresse. Donnez-moi où elle travaille. Donnez-moi où elle travaille. Elle n'aura pas le temps de venir. On va d'abord la rendre handicapée là-bas au pays. Mon petit là n'est pas connecté. Je te trouve. Je vais te montrer que je ne rigole pas. Demain. J'ai tes photos, j'ai ta géolocalisation. Je vais publier, Rora. Je vais tout mettre ici pour que tu saches que moi, Anobi Lap, je t'ai dit que fais ça avec tes soeurs du village. Menengwani Yebokolo. Sans sentiment quand on nous prend. Quand on s'en prend à nous, c'est sans sentiment. No pity. Je t'avertis, oh. Laisse-moi faire mes choses. Avec les gens de Mbeng. Tu n'es pas Mbeng. Oui. Bonsoir. Je te laisse le voice là. Dès que tu te connectes, fais-moi signe. Même si c'est à minuit. Même si c'est à 3 heures du matin que je dors. Tu me réveilles. Je te mets en mission. Ce qui est sûr, c'est ça. Du sale, hein. Ce que tu vas faire d'abord, c'est que tu me localises d'abord la personne. Je t'envoie sa photo. Je t'envoie l'adresse où elle travaille. Si tu vois que tu ne peux pas, trouve-moi un des petits d'Aquala. Un des petits de l'hôtel Aqua Palace. Les gars qui se mettent devant là. Trouve-moi même deux. Il me faut deux. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Tu as vu? Voilà, hein. Je vais d'abord cacher mes échanges. Je te montre qu'avec moi, ça ne rigole pas. Je vais te tcha. Demain, j'ai ta localisation. Je vais faire. On va te filer. On va te filmer toute la journée. J'ai mon argent, non? Je vais envoyer l'argent demain matin. On va te filer toute la journée, prendre des vidéos et des photos de toi. Je vais publier ça ici pour te donner comme avertissement que tu n'es pas si caché que ça. Ce sera mon avertissement. Je vais te dire que fais alors la vidéo sur moi. Je vais te dire que fais la vidéo sur moi. Vous aimez entendre. Il y a folle et folle. Hein? Je t'ai dit que je ne suis pas Nicole Ketcha. Depuis que tu tournes là, je te regarde. C'est sur moi que tu vas atterrir. À vous traiter fort. À vous traiter où? Tu vas, je ne me cache pas. Hein? Oh, je ne me cache pas. C'est toi qui m'as publié sur ta page. Je ne te connais pas. Je prends plus les 130 personnes qui me regardent là. Je prends les 130 personnes qui me regardent à témoin. Je ne te connais pas. Ni d'Adam, ni de Ève. Tu vis en Afrique, je vis en Occident, je vis en France. Tu vis à Douala. Tu m'as publié sur ta page. Je ne te connais pas. Tu as promis faire un direct sur ma personne. Je ne te... Il faut que vous retenez bien. Hein? Il faut que vous retenez bien. Je ne la connais pas. Donc, les gens qui connaissent la petite fille là, dites-lui qu'elle me quitte. Elle dégage la route devant moi. Je traite avec les filles qui vivent en Europe comme moi. Je traite avec les femmes de Mbeng. Je suis clasheuse avec les femmes de Mbeng. Je ne clash pas les gens du pays.
Ce n'est pas ma catégorie, ce n'est pas ma tasse de thé. D'accord? Et de sur quoi elle m'a caricaturé? D'accord? Enfin, si. Oui, là, en train de fumer son poupounampou ou. Je vais le monopoliser toute la journée demain. Vous m'avez donné son adresse. Je veux son adresse. Je veux où elle travaille. Elle est ma grande soeur. Je m'en fous même qu'elle soit ma grande soeur ou quoi que ce soit. Mais je vais lui montrer qu'il y a des gens que quand quelqu'un n'est pas dans ton couloir, vous allez apprendre à respecter vos couloirs. Tu vas apprendre à respecter ton couloir. Avec moi, c'est... Je prends tout le monde à témoin. Je ne vais pas aller en cachette. Quand on va m'envoyer tes vidéos demain, tes vidéos où tu travailles, à quelle heure tu vas manger la tête de poisson brisée ou quoi que ce soit, quand tu vas sortir de ton job pour aller chez toi, moi-même, moi, Élise, je vais publier ça ici et je vais te dire que tu n'es pas si caché que ça. Tu n'es pas si caché que ça. Attends. Zaha, mais vous, Tani, mais Carona, hein? Fais ça avec tes gens. Voilà ça que je te dis, que fais ça avec tes gens. Et que quelqu'un ne te trompe pas, hein? Je suis Yebokolo. Va te renseigner. Va te renseigner. Oh, l'enfant, il ne va pas connecter. Pourquoi? Il faut qu'il se connecte. Il a dit que même à 3h du matin, hein, il va me réveiller. Yowanda, qu'elle fait quoi dans les problèmes de Mbeng? Elle fait quoi dans les problèmes des filles de Mbeng? Des femmes de Mbeng? Elle est Mbengiste? Elle est Mbengiste? Je te dis que je ne te porte pas plainte. Je fais ça à l'ancienne. Je ne te porte pas plainte. Je fais ça à l'ancienne. Je vais te montrer que je suis né au Cameroun, à Ayos. Mais j'ai passé toute mon enfance à quoi? Elle passait tout mon enfance à quoi? Même au carrefour Concorde actuellement, il y a toujours les Nangaboko là-bas. Méfie-toi. Tout le monde a faim au Cameroun. Loukot. Je te publie demain, Hora. Je te montre que mon argent, c'est mon argent, c'est moi qui travaille mon argent. Demain, je te publie. Ici, sur ma page, je montre à tout le monde ce que je suis en train de dire, que je ne blague pas avec toi. Et je vais te dire que si tu es maintenant femme, que tu es assise sur tes deux lèvres, comme je suis assise sur mes deux lèvres là, fais la vidéo sur moi. Et comme clou, et bisé. Tu as compris? Demande aux gens qui comprennent le Yaoundé. Et comme clou et bisé. Moi, une petite fille comme ça que j'aime. J'avais même de l'empathie pour elle. Je dis que bon, elle est au pays, bon, elle se bat. Bon, c'est sûr qu'on lui donne quelques miettes. Bon, si les gens arrivent à la nourrir pour qu'elle fasse ce qu'elle fasse là, tu veux te tromper de route. Tu veux te tromper de route pour venir ici qui? Tu crois que si moi j'étais Nicole Kecha, comme tu avais enregistré sa mère là, peut-être que c'est qu'on te pleure, hein. C'est qu'on t'a même déjà enterré, oublié. Je te dis ça. Si moi j'étais Nicole Kecha, parce que quand vous avez fait ça, quand toi, surtout toi, Ngoué de Lille encore, toi, la lionne, quand tu as appelé la maman de Nicole Kecha plusieurs fois pour l'enregistrer, je bouillonnais comme ça là. Moi si, je bouillonnais comme ça. Je dis que merde,
Pourquoi ça? Pourquoi la fille ne glisse même pas un peu sur moi? Je bouillonnais comme ça à la place de Nicole Ketcha. Si c'était moi, Nicole Ketcha, que tu avais fait, que tu appelles ma mère, tu enregistres pour envoyer sur les réseaux. Hein? Comme on brûle souvent les bandits là. J'allais mettre 5 roues sur toi et mettre le feu. À la guerre comme à la guerre. Elle est là et vous. Quelqu'un dit au pays. Mouf! Tu filmes ma mère. Tu enregistres ma mère pour les réseaux sociaux. Je te dis, oh. Je bouillonnais à la place de Nicole. Quand j'écoutais ça, j'ai dit, mais qui lui donne ce pouvoir? J'étais comme une cocotte minute prête à exploser. J'étais comme ça, à la place de Nicole. Tu as vu le commentaire de celle-ci? Tu vas faire quoi? Que le genre de commentaire-là ne te trompe pas. Urussiam, tu vas gérer seul au pays. Nous, on est assis ici. Nous, on est assis ici. Tu vas gérer seul au pays. Je vais te montrer que l'argent là, c'est moi qui travaille ça. L'argent, c'est moi qui le travaille. Demain, on te file. Et dit que demain, on te file. Je vais poster les vidéos ici pour te montrer mon level. J'aimais hier que vous attaquez aux gens, vous attaquez. Tu es au pays, tu es au lieu de vivre ta souffrance au pays. Hein? Tu crois que tu vas venir prendre ta sale bouche qui mange les arachides grillés au pays. Tu vas venir poser ça sur Élise. Parce que tu vois que les autres ne te font rien. Les autres ne te font rien. Ça se trouve, le motoman que tu prends souvent d'habitude, la moto que tu prends là, ce sera un de mes gars qui sera assis devant. Il va te porter. Un homme avait tué en vaut deux. Moi, je n'ai rien à dire. Avouama. Petit fumeur de banga qui y a partout là. Avouama. Mais lis-toi. C'est toi qui es venu me chercher. Hein. Je n'étais pas au courant de toi. Hein. Ah, là voilà qui m'appelle. Moto, je t'ai dit non. Écoute la sonnerie. Il faut que tu m'appelles ici. Je t'ai dit qu'avec moi, ça, je fais ça en direct. Je vais te montrer quand même. Je vais l'appeler ici. Elle dit quand même à 3h du matin, réveille-moi. Ouf. Tu as vu? Attends, je le rappelle. Je t'ai dit. Moi, on ne rigole pas avec moi. Oui, attends, je ne sais pas s'il y a le haut-parleur, si on va entendre. Je suis en live là. Tu es où présentement? Je suis à la maison. Tu es à la maison. Ok, laisse-moi 10 minutes. Je finis mon live parce que je ne sais pas s'il y a l'écho ou s'il n'y a pas l'écho. Tu as la CNI? Oui. Tu as la CNI? Donne, envoie-moi ton nom, ton prénom, tout ce qu'il faut là. Tu m'envoies ça. J'ai une petite mission. J'ai une petite mission pour toi. Tu as compris? Ok. Je t'appelle dès que j'ai fini le live. Ne te déconnecte pas. Hein? Ok. On entend sa voix. Je vais te montrer. Je m'appelle Bissot. J'ai grandi à quoi? J'ai mes petits frères là-bas. Jusqu'à, comme tu ne peux pas imaginer, une ancienne Nangaboko comme moi. Une gars qui a vendu les œufs.
les œufs piments, la nuit, dans les rues d'Akwa. Moi, tu veux me défier? Tu ne peux pas me défier. C'est toi qui es venu me chercher. C'est toi. Moi, je dis toujours, je clash avec les gens de Mbeng comme moi. On me caricature, c'est Mbeng. On m'insulte, c'est Mbeng. Je n'ai jamais clashé une fille du pays. Et toutes les filles du pays qui viennent commenter dans mes choses, je leur fais comprendre gentiment que mes affaires que je fais avec les filles de Mbeng ne vous regardent pas. La lionne, tu vas servir de leçon aux autres. Tu as compris? Tu vas servir de leçon aux autres. Je te dis que demain, je te publie. Je vais te traquer. Tu sais ce qu'on appelle au coucou? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle au coucou? Le coup aussi. Le rap almis. Est-ce que tu sais comment on fouille le rap almis sous la terre? Je vais te traquer à Douala toute la journée. Je vais faire walk mes dos sur ta tête. Tes faits et gestes. Si tu es sage, ne sors pas dehors. Si tu es sage, ne sors pas dehors demain. Mais demain, je ne te fais rien. Je veux juste, on va te voir comment tu entres dans ton... Toute la journée, je serai en live avec toi sans que tu ne saches que je suis en train de te regarder. Dès qu'on va me scène tout ça, je vais publier pour te dire que tu as vu, tu n'es pas si caché que ça. Tu n'es pas si caché que ça. Je vous déçois. Vous m'avez déjà vu venir parler comme ça sur les réseaux. C'est une petite fille, hein? Elle est là depuis. Au départ, elle me faisait rire et tout. C'est truc de musique où elle tourne ses fesses qui sont comme les boules de couscous là. Elle me caricature, elle me prend, elle met sur sa page. Elle me connaît où? Elle me connaît où? J'ai déjà parlé d'elle. Je l'ai déjà clashé. Est-ce que j'ai déjà clashé cette dernière? J'ai déjà mis ma caméra comme je suis là et je l'ai clashé? Non. Donc, comme vous êtes témoin là, vous êtes témoin surtout. Comme ça commence là, elle et moi, c'est Ngangang. Je dis que Ngangang, moto du go avec moi. Mais Karo, on a, Menengwani Yebokolo. Mais vous nous en avez pas, vous combi. Tu as compris? Fais tes pec-pec que tu fais là. Tu ne sais pas qui est qui sur les... Tu ne sais pas que les gens sont timbrés ici dans le Mbeng que tu vois ici. Les gens sont timbrés. Je ne sais pas qui t'encourage. Hein, mais la personne qui t'a demandé de me mettre sur ta page t'a jeté dans le chukin. Je vais vous laisser. Il y a un coup de fil à passer. Dès que l'enfant, s'il va voir que je l'appelle, il va m'appeler tout de suite. Et vous savez que mes petits frères veulent Boza. Ils veulent Boza. Je vais les aider à Boza. Voilà comment quelqu'un va finir handicapé pour les histoires des réseaux sociaux. On t'a appelé. Je dis, on t'a appelé dans nos choses. On t'a appelé dans nos choses. Est-ce qu'on t'a appelé? Tu viens à Mbeng? Tu viens à Mbeng? Hein? Reine du roi soleil. Depuis là, je la regarde comme ça, non? Ma photo qu'elle a mis là. Je vais vous dire. Elles ont pour moi va loin. Moi, j'adore les défis. Hein. J'adore les défis. Attends. Est-ce que vous m'avez envoyé son adresse? L'adresse où elle travaille. Remettez-moi ça ici. J'épingle ça. Si quelqu'un a son numéro, donnez-moi son numéro. Dès cette nuit-là, on commence d'abord à la harceler au téléphone.
dès cette nuit, il y a au moins 100 personnes qui vont l'appeler. Si vous avez son numéro, mettez-moi ça là. Où elle travaille, son numéro de téléphone, le quartier où elle vit. Douala est grand. Vous croyez que Douala est grand? Je dis Mbopi. Tu crois que Douala est grand? Tu crois que Douala est grand? Mbopi, Douala n'est pas grand. Je vais te prouver que Douala n'est pas grand. Tu as vu, non? Le gars a WhatsApp. Donc, il a aussi l'Android. Il a l'Android. On va te filmer, photo, filmer, photo, filmer, photo. Je vais poster ça sur mon mur. Je vais te dire que mets ta caméra. Je vais te laisser le choix. Soit tu choisis de me clasher. On verra. Soit tu te tais et tu quittes dans mes histoires. Tu quittes dans mes choses. Continue à classer tes ayamseurs comme tu fais depuis là. Mais moi, évite-moi. Évite-moi. On m'a tout envoyé. Tu connais où elle travaille? Qui connaît où elle travaille? Donnez-moi. Donnez-moi. J'épingle. Je veux son... Où elle travaille? Avec son numéro, si c'est possible. J'épingle ça là maintenant. Je vais envoyer ça tout de suite. On l'a chassé où? Est-ce qu'elle est même difficile à trouver? J'ai entendu Marthe dire qu'elle sait où elle travaille. Vous avez écouté le direct de Maïté hier, non? Marthe a dit hier qu'elle sait où elle travaille. Je vais te mettre au défi. Personne, je dis bien qu'aucune fille de Mbeng, dès que tu vas faire 2 jours sans te connecter là, aucune fille de Mbeng ne va demander que ma, tu vas bien, c'est comment? Tu nous connais même. Plus peureuse que Senga, que tu vois là, il n'y a pas. Attends. La Joza Shop à Boramoussa. Attends, je filme ça. Je fais une photo. Je fais une photo de... On va la trouver là-bas. Je vais d'abord demander à mon petit si il connaît où c'est. Il ne connaît pas Douala où. Voilà. Le genre de boutique là, souvent les numéros, non? Le genre de boutique là, souvent là. La Joza Shop. Bonamoussa dit. Est-ce que j'ai le numéro de ma big récit ici? Il y a une cousine à moi qui se balade partout à Douala là-bas. Elle doit connaître. La Joza Shop à Bonamoussa dit, je veux où elle travaille. Si c'est Joza Shop, moi je n'ai rien contre cette entreprise-là. Je n'ai rien contre l'entreprise. J'ai un problème avec celle qui travaille dans cette entreprise. Si vous suivez votre employé, allez sur sa page. Me voici. Elle m'a prise, elle m'a caricaturé et elle m'a mise sur sa page. Je ne connais cette demoiselle ni d'Adam ni de Ève. Joza Shop, Bonavoussa dit. Je dis, tu connais où est située la Joza Shop à Bonavoussa dit. C'est écrit Joza Shop.
La Dioza Shop. Abonamous a dit. Si tu connais, laisse-moi un voice ou tu me laisses un message. Elle fait même des lives là-bas. Hein? Personne n'en parle. Est-ce que moi je gère où elle fait les lives? Je vous laisse. On est ensemble. Restez connectés demain. Restez connectés demain. Restez connectés demain. Ah, maman. Ce n'est pas pour moi. Hein? Qu'on ne te trompe pas, la lionne. Je te regarde dans les yeux. Ne glisse pas sur moi. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je clash avec les filles qui vivent en Europe comme moi. Les femmes, parce que ce ne sont pas des filles. Nous sommes entre nous ici, les Mbengueter. Je ne vois pas pourquoi je me retrouve sur ta page en train de me faire lyncher, insulter. Je ne vois pas le pourquoi. Je te dis que ma part ne part pas devant les institutions. Ma part, ce n'est pas que je vais aller à la gendarmerie ou police troisième, gendarmerie première ou deuxième ou troisième ou quoi que. C'est terre à terre, biwo, biwo, assis ici. Bonne soirée. Restez connectés demain. Connectez-vous. Restez connectés à la page ci demain. On va rire.